إليكم الخط نسيم كوتي نوال بن كرايم توجور وي نوال بن كرايم نسيم كوتي مرحبا بكم صافي بليزير في رمضان اون بليس تحافظوكم لا مازال صافا نوال وي تري بيان بريت بور لو 30 اي بان ان توكا il faut faudra être prête ouais. J'ai vu que tu as plein de dates là. Ouais, ça, c'est ça... un concert qui arrive. Super. Ouais, c'est cool. Voilà, alors Nawel, j'ai vu Wikipédia Tarak. Alors ton premier album c'est Mama Please. Oui. Ah. Avec un groupe ouais, qui s'appelle Cyrus. Et en fait, pourquoi tu t'appelles Nawel Ben Karaim? C'est ton vrai nom? Oui. Et pourquoi tu t'appelles pas Zama Nawel B ou la Nawel un truc. Pourquoi tu as gardé ce nom? C'est important, je trouve que c'est un peu paternaliste. C'est souvent les filles. Rapproche-toi un peu du micro. Parce que... Souvent les filles, c'est juste Maïwen, Nolwen. Oui, enfin, voilà. Il y a un truc un peu la femme-enfant. Maintenant, on a un nom, un prénom. Et puis même s'il est connoté, je le porte et je l'assume. Parce que Karaim, c'est pas du tout connoté, quand même. Non. Bah oui. Enfin, ça dépend où, mais dans, en tout cas, ici, là où on est, c'est pas du tout connoté. Mais où, alors, dans, au dans, dans le 20e, c'est pas connoté. C'est connoté quoi? Ben, c'est Jean-Jacques qui est connoté dans le 20e. Alors, en 2010, tu joues avec Orange Blossom. Oui. Orange Blossom. Tu connais, j'espère. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et en fait, Orange Blossom, il joue le 21 juin à Alger. Ah oui, ils sont invités la fête de la musique. Oui, ouais, le 21 juin à Alger, ils jouent, ils sont invités par le Centre culturel français. Ah, ça. Galou Mazidou Jibou. Oui, oui, ils ont bien Galou Mazidou Jibou les étrangers, mais bon. En 2011, voilà, en 2011, Nawel, la révolution du printemps. La révolution du jasmin. Ah, moi, j'aime pas ce nom. En fait, la révolution, elle venait plutôt du sud. Et le jasmin, c'est quelque chose qu'on trouve à Tunis et tout ça. Et je trouve que l'image, elle aurait été plus juste si on avait utilisé... Le cactus. Les figuiers, les figuiers. Le cactus, ouais. Le jasmin, c'est très... Non, c'était pas une révolution bourgeoise à la base. Donc je trouve que ce terme, il est pas très juste. Et pourquoi tu pars alors? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? En tout cas, enfin, ce qui a été un départ aussi, c'est que j'ai plus pris de la parole au niveau artistique et tout ça à ce moment-là. J'ai plus été en Tunisie et tout, parce que ça faisait combien de temps? Ça faisait quelques années qu'on était en France. Mm-hmm. Et au moment de la révolution, je suis plus restée en Tunisie, je suis revenue. Et pourquoi? Parce que il y a eu une espèce d'effervescence. Et c'est vrai que mon père était syndiqué, il avait des activités militantes assez importantes. Et du coup, dans mon éducation, ce régime un peu sévère de Ben Ali, il s'était assez présent au quotidien, mm-hmm. avec beaucoup de copains à lui qui faisaient des allers-retours en prison parfois, et puis des téléphones sur écoute. Enfin, il y avait quelque chose qui faisait partie de l'historique. Et du coup, quand on a compris que c'était possible de renverser ce régime, et quand on a à ce moment-là entre 20 et 25 mm-hmm. ans, enfin bref, comme toute ma génération, on se dit qu'il y a plein de choses à réinventer et on a envie d'en faire partie, quoi. Et tu rejoins un collectif qui s'appelle Ntissout. Ouais, pour aider les gens à voter, c'est ça? Bon, en fait, c'est juste qu'on était tous un peu dans le milieu artistique. Moi, j'étais en France, j'avais déjà commencé mon groupe Cyrus. Et je chantais en tunisien, en français, tout ça. Et puis là-bas, il y avait d'autres copains qui étaient, eux, dans la scène un peu plus, du coup, un peu résistante, on va dire, à essayer de trouver des espaces de parole dans des petits théâtres et tout, sous Ben Ali.
Donc, dont Ben Dierman, qui faisait un petit personnage un peu critique, oui, comme ça, comme un super-héros, anti-héros. Qu'est-ce qu'il devient, lui, Ben Dierman ? Bah, il continue à faire des trucs. Donc, du coup, maintenant, ça n'a plus cette parole, oui, résistance. C'est l'étape d'après, quoi. Mm-hmm. Et du coup, maintenant, il fait des chansons régulièrement, ça passe à la télé, etc. À l'époque, c'était la scène underground, mais voilà. Ouais. Et du coup, il a réuni certaines personnes, vu que son projet commençait à bien marcher, vu que ça faisait écho à un truc politique à ce moment-là, il a rappelé des gens qui étaient dans le milieu artistique, et on a fait cette chanson qui à la base était un truc un peu spontané et qui en fait vachement était viral sur internet et tout ça, et ça a pris. En fait, il y a plein d'artistes qui ont émergé à ce moment-là. Du coup, c'était un peu gênant parce qu'il y avait aussi un côté où les gens disaient oui, c'est les artistes de la révolution, ou alors ils ont profité de ça pour... ouais. Mais en fait, voilà, c'est juste qu'il y avait plein de gens qui étaient créatifs avant, c'est juste qu'il n'y avait pas forcément d'espace de parole. C'est-à-dire, avant, ce qu'il y avait, c'était la variété libanaise, où il y a encore beaucoup en Tunisie, et, ou alors les grosses stars qui venaient au Festival de Carthage et tout ça, mais pas forcément de la musique alternative, quoi. Alors que c'est vrai qu'après la révolution, il y a eu plein de petites radios, plein de petits festivals, plein d'occasions de faire des choses, en fait. Et après, tu as quitté la Tunisie. Ben en fait, à ce moment-là, j'habitais... Ou alors c'est Tony Gatlip qui t'a appelé, ou là, comment ça se passe? Non, en fait, c'était des va-et-vient. C'est-à-dire que dès qu'il y avait des projets, c'est-à-dire que comme j'ai dit, en Tunisie, à ce moment-là, il y avait aussi un peu des moyens, dans le sens où il y avait plein d'organisations, même européennes, qui donnaient aussi... Enfin, moi, j'ai participé à des projets d'organisations allemandes, alors va comprendre le lien, c'est-à-dire... Mais c'est le bon... Parce que t'es blonde, non? Le lien. Non, mais c'est-à-dire c'était un peu le bon et le mauvais côté. C'est-à-dire qu'il y a des ONG qui s'intéressaient à ce qui se passait dans le monde arabe à ce moment-là, donc comme ça avait commencé par la Tunisie. Donc ils donnaient des moyens pour faire des choses, des projets. Donc il y avait des trucs de danse dans la rue. Enfin bref, il y avait un tas de trucs possibles auxquels, quand c'était possible, je participais. Et le bon côté, c'est qu'il y avait des moyens pour faire des choses. Et le mauvais côté, c'est que du coup, il y a toujours ce rapport où l'Europe va aussi, du coup, quand elle donne les moyens, participer à la construction. Enfin, c'est un peu ambigu, en fait, toujours. Et après, tu fais Indignados avec Tony Gatlif, voilà, sur le livre de Stéphane Hessel. La haine de Krobelher. Goul Amin. Amin. Voilà. Stéphane Hessel, a dit. Stéphane, tu passes le bonjour. On arrive bientôt, Inch'Allah. On n'est pas loin, d'ailleurs. Et alors, comment c'était cette expérience En fait, dans cette période, moi, j'habitais... Quand je rentrais en Tunisie, je rentrais chez moi, quoi. Et à Paris, moi, j'étais en sous-location à Belleville. Et du coup, pas loin de chez moi, il y avait pas mal de Tunisiens qui sont arrivés. Parce que si, après la Révolution, il y a eu tout ce moment... Parce que la Révolution, elle est née d'un contexte économique hyper précaire. C'est-à-dire que de toute façon, la Révolution, ça vient... pas en général que de l'idée de la liberté d'expression. Après, il y a ce corollaire-là, mais à la base, c'est parce qu'il y a trop de corruption, un problème économique, miséria, quoi, voilà. Et du coup, ce qui fait qu'après la Révolution, c'était encore pire économiquement, vu qu'on est un pays très dépendant du tourisme et tout ça, cette instabilité a fait que les investisseurs étrangers se sont barrés, le tourisme a chuté, et du coup, finalement, cette misère qui avait créé ce chaos est devenue encore plus précaire. Du coup, il y a plein de Tunisiens qui ont harpo, quoi, comme on dit, qui ont immigré de façon... compliqués, dans des conditions hyper précaires et tout, et dont certains qui se sont retrouvés dans des parcs à Belleville et tout ça. Donc il y avait un peu de solidarité à Belleville, on allait le soir essayer de faire ce qu'on pouvait entre Tunisiens et tout. Et là, Tony Gatlif, il traînait par là. À Belleville, ouais. Parce que ça l'intéressait, de comprendre ce qui se passait et tout. Et donc on s'est rencontrés vraiment comme ça, c'est-à-dire dans un contexte plus social, on va dire, que... artistique. Et puis après, il se trouve que moi, j'étais fan de son travail, que j'avais des choses à faire écouter puisque je faisais de la musique, que lui, il aime bien les voix cassées. Et puis c'était militant, hein. Et puis il y avait le truc militant. Et donc ça convergeait entre la voix cassée et le militant et la militante. Enfin, en tout cas, voilà, tout ça. Avant de jouer, tu avais lu le livre de Stéphane Hessel? Oui, oui, carrément. Ouais. Ouais. Indignez-vous. Ouais. Mm-hmm. Ouais, j'avais beaucoup aimé. Ouais. Ouais. Et ensuite. Donc, tu rencontres Allumer le feu, le mec qui a écrit cette chanson. Pierre Jacquet, un grand compositeur et guitariste. Et comment tu l'as rencontré? Comment ça se passe? Eh ben, je l'ai rencontré par une rencontre un peu improbable, et en même temps improbable. En même temps, je faisais des choses pour... j'écrivais des chansons et je les faisais circuler au maximum, mais c'est vrai que j'étais dans un réseau plutôt, soit alternatif plutôt, ou soit entre la musique du monde et le truc, bref, très tourné vers le Maghreb. Mais que je commençais à avoir une manageuse et qu'elle faisait écouter des fois mes maquettes dans des soirées, que de bouche à oreille, de haja djib haja, une chose à une chose, elle a fait... Enfin, il y a Pascal Obispo qui est tombé sur ma voix et qui a dit « Ah, j'aime beaucoup cette voix,
j'aimerais la produire et tout. Et puis lui, il fait partie de ces artistes un peu à l'américaine qui ont leur studio, qui ont une forme d'autonomie, du coup, pour donner des impulsions. En tout cas, c'est pas comme une vraie maison de disques, mais ça, ça permet de donner des impulsions. Et du coup, il m'a présenté Pierre Jaconelli, avec qui il travaillait beaucoup. Et Pierre Jaconelli, ça, ça lui, il avait la curiosité et l'envie de faire un pas vers un, quelque chose de moins variété, peut-être. En tout cas, il a eu la générosité de se plonger dans, dans mon monde. Et du coup, dans, à travers le studio de Pascal, et puis voilà, avec cette rencontre. Et tu as fait Navigue. On a fait cette EP Navigue, où vraiment, c'était mes chansons, mais sur lesquelles Pierre a mis sa patte. Donc, il y avait des sonorités un peu plus pop. Enfin, il y avait une oreille un peu plus occidentale sur mes chansons, quoi. Et puis entre 2013 et 2016, tu fais aussi du théâtre. Ouais. Bizarre, hein. Quand est-ce que tu vas faire de la danse aussi? Ouais, j'en fais. Tu en fais aussi. C'est-à-dire, je m'en fous tant que je m'exprime. Ouais, ouais. Ça, le domaine. Et bien. Donc, le théâtre, c'était une belle expérience aussi. Oui. Oui, oui, surtout que c'était un projet d'une metteur en scène libanaise avec que des filles sur scène. Et ça, ça s'appelait Les Démineuses. Et on jouait des femmes qui déminent dans le sud du Liban. Enfin, il y a vraiment des femmes qui font ce métier, et qui, alors que c'est un métier qui expose du coup à ce que les mines t'éclatent à la gueule, vu que c'est le principe, c'est déminer des mines qui sont encore brûlantes, quoi, posées par Israël. Et du coup, en général, elles le font parce que c'est bien payé. Mmh. Et donc, ces personnages de femmes avaient toute une raison financière de le faire. Donc, il y en avait une, c'était parce que sa maman était malade et que les soins coûtent cher au Liban. L'autre, c'était pour les études de son fils. Moi, la mienne, c'était parce qu'elle était célibataire et qu'elle ne trouvait pas de mec au Liban et qu'elle avait envie de se barrer faire de la comédie musicale aux États-Unis. Mais c'était intéressant parce que c'était un personnage où c'est vrai qu'au Liban, avec toutes les guerres successives et tout, il n'y a plus assez d'hommes. Donc il y a un célibat forcé. Et puis en 2017, tu fais la connaissance de Julie Zenati et vous formez Méditerranéenne. Voilà, encore un truc un peu collectif. Voilà, même si... C'est dans le collectif tout le temps. Hein. Bah, du coup, là, c'est vrai que j'essaye d'affirmer un peu plus le truc avec mon album et tout, mais c'est vrai que j'ai souvent... oui, et même dans mon album, y a, même avec les musiciens, c'est quand même des trucs assez fidèles. Donc il y a Nessim, évidemment, et puis il y a même Mamoun. Nessim et Mamoun, ils se connaissent depuis... qui est notre batteur, ils se connaissent depuis le lycée. Enfin, ouais, j'aime bien les histoires qui durent, j'aime bien faire... Enfin, je trouve qu'on se nourrit les uns les autres, et ouais, du coup... Il connaît, Nessim, la chanson que tu as chantée pour la Méditerranéenne? Il la connaît? Laquelle? Beautiful Tango. Tu la connais? Oui, oui, oui. Alors, vous jouez, là. Ouais, tu vas jouer. Je crois... Ça te va bien, cette chanson, en tous les cas. Beautiful tango, take me by the hand. Beautiful tango, do you make me dance? How sweet it can be. De Hindezara. Ouais. Ouais. Très beau morceau. Titre, ouais. Ouais. Et puis, après, tu signes chez Capitol. Brok Alek. Ah, je... Et le 30, mercredi, oui. Elle fait les étoiles. Concert aux étoiles. Concert aux étoiles, ouais. Voilà. Et puis, vous avez eu l'amabilité de nous donner 10 places. Comment on fait? On a 10 places, 10 invitations. Comment on fait? Les gens appellent ou la... Mais c'est ma femme. En fait, vous nous avez donné 10 places, mais comme on est dans le monde entier avec Internet, on ne sait pas ceux qui sont à Paris. Bah, oui, aux vous... Parisiens, ceux qui... Voilà, si vous, mercredi, si vous êtes... Il y a des gens qui sont mercredi à Paris, parce qu'il y a des gens qui sont à Paris. Mais en fait, c'est résilé, ici, à la caméra. Non, qu'est-ce qu'on a dit? Je crois qu'on a dit quoi? On a dit les gens qui partagent, non? Ou les gens qui partagent, ou les, je ne sais pas. Ouais, les 10 premiers qui partagent l'émission, ça serait parfait. Voilà. Ouais.
Bah ouais. Les 10 premiers qui partagent, mais qui sont. Non, là non, les 5 premiers qui partagent gagnent 2 places chacun. Voilà, parce que si le mec qui donne une place, il vient tout seul. Bah ouais, c'est vrai. Bah oui. Sinon, ça fait un peu de faux cadeaux. Ça oblige à payer. Bah oui. Non, en vrai, oui, c'est vrai que c'est une bonne chose. Moi, ça m'arrive parfois de. Alors. Non, je suis d'accord avec toi. Non, non, mais moi, ça m'arrive parfois de donner des invitations à une personne. Et c'est drôle parce qu'il vient avec 5 personnes. Tu vois. Et du coup, c'est génial. Alors, on fait Ishar. D'accord. On fait Ishar. Ouais. Pour les 10 places. Ishar. J'adore le jingle, mais vraiment, écoute, Capitole, il faut pas qu'ils entendent ça. Fais-moi le jingle, je peux. سيداتي سادتي نحن على المباشر من راديو 213 انفو مي سي با غراف 213 بالك عندكم نتوما 212 حنا 216 مغرب 212 مي فوك سون ميركودي ici à Paris. Alors mercredi et si vous êtes à Paris, il y a un concert exceptionnel de Seyda Nawal Dirhamana qui sera accompagné de Seyd Nassim. Donc il y a 10 places à gagner. Donc voilà, 2 par personne. Donc voilà, les 5 premiers qui vont partager l'émission vont gagner ces places-là et ça sera mercredi aux étoiles. Oui, c'est ça. Donc voilà. Rétro Château d'eau. Rétro Château d'eau. Haulna le micro. Ça va, je vais te la pub. Ah, yes, ça va. نعاودها لك بالك نعاودها لك باللهجه نتاعكم. عندك تعرف اللهجه. Je l'ai perdu. D'ailleurs, en venant, je me suis fait raqueter du mec qui m'a pris mon iPhone et اللهجه التونسيه. Je te jure. والله c'est que je sais pas trop. Non, mais j'adore. Tu sais pourquoi j'adore le dialecte tunisien? Parce qu'il n'est pas beaucoup pollué par plein de mots qui viennent d'autres langues. Oui. C'est comme le marocain. Alors, nous sommes les seuls hybrides du Maroc. C'est vrai. Moi, j'aime bien votre hybride. Non, mais c'est difficile après de communiquer. En Allemagne, il m'a dit « Mariul ». وانا عندي مريول وهلا نجوا مريول لو كيفاش مريول فات سير التيشيرت نوال جي لو كو tu as vécu à la campagne en Tunisie jusqu'à l'âge de 16 ans. C'était rural, tu n'étais pas. J'ai vécu à Tunis. À Tunis. Toute ma famille, à part mon père, c'est vrai, tous mes oncles et tout, ils sont à la campagne. Mm-hmm. Et voilà, ma famille, elle vient de la campagne. Donc voilà, c'est là où je passais des vacances, à la ride et tout. Mais moi, je vivais à Tunis. Mais c'est vrai que mon père, c'est le seul qui était prof et qui est parti de. Qui a eu cette chance sous Bourguiba d'étudier. Enfin, en fait, Bourguiba, à l'époque, il a un peu fait ce truc pour désenclaver les régions, de donner des opportunités, des bourses d'études à des gens qui venaient de villages vraiment dans les terres. Et c'était le cas de mon père. Et du coup, c'est un beau parcours de fils de berger, de frère de berger, qui s'est retrouvé à faire son troisième cycle en France. Et puis après, il est revenu en Tunisie. Et du coup, nous, on a été élevés à Tunis avec mes sœurs. Mais c'est vrai qu'on avait... du coup, un pied dans la campagne profonde où Nassim d'ailleurs est déjà venu. Ils font de la bonne huile d'olive. Ah oui. Avec ma tête. Tu as retenu que Zizi, tu vois. Et puis, il y a un truc, je ne sais pas si c'est faux, c'est vrai. Ta mère est suédoise. C'est une légende. On va laisser planer la légende de Stockholm. Oui. Tu parles combien de langues? Non, bah, comme les Arabes. Tu parles 3 langues. Voilà, surtout tunisien. Mais tu parles suédois un peu ou pas? Mais non, ça, c'est vraiment une légende urbaine à cause de ma couleur de cheveux. On va la laisser. Ah, c'est bien. Suédoise. C'est bien. Dis ta mère est suédoise. Faut le dire. Voilà, dis. Comme ça, je me laisse beaucoup. En tous les cas, merci beaucoup. Je sais que vous avez un truc à tourner là, tout de suite. En tous les cas, le 30 mai. Ouais. À l'Étoile. Oui, aux Étoiles. Aux Étoiles à Paris. Ouais. C'est rue du Temple, je crois, non? C'est rue du Temple. Faubourg du Temple. Non? Faubourg du Temple, voilà. Aux Étoiles. Je sais que c'est métro Château d'Eau. Je sais que Marc. Non, c'est rue du Château. Rue du Château? Ouais. Rue du Château d'Eau? Je crois, rue du Château. D'accord. Non, du Château tout court. Du Château tout court. Rue du Château. Moi, je me dis au Google. Hazardéro, les Étoiles, Théâtre des Étoiles, Nawal Belkrahim, Nassim Kouti. Merci beaucoup. Merci à vous. Et le 30 mai, allez-y tous voir. Et puis,
إشهار عاودنا الإشهار تاع قبيل. سيداتي سادتي ما تنساوش الكونسير هذا الكبير تاع السيدة نوال بن كرايب الذي غادي تكون اليوم الأربعاء في ليزيطوال في هذا الكونسير الكبير في هذا العرس العرس الموسيقي الكبير. دونك voilà il faut absolument y aller et comme on a dit les 5 personnes qui vont partager l'émission gagneront 2 places donc voilà pour eux et la personne de leur choix. Donc, alors, une dernière chanson, s'il vous plaît. Oui. Elle est les Tabouhan Touma, soit de votre dernier album. Oui. Ah oui, le dernier album. Ouais. Il est là. Oula bon, on a ça, c'était le dernier micro. D'habitude, ah oui. Ah oui, ben là. Oula, Antcom. Super, merci. Ça fait des ordres dans mes hommes arts, mes habitudes. Ça fait des signes dans mes hommes arts. Ça fait des ordres dans mes hommes arts, mes habitudes. Ça fait des signes dans mes hommes arts. Sans routine, maghrébin, sans refrain, lâche rien que les chiens, les loups de mer, méridien, dérèglement climatique, type, comme compte, en plastique, tac, bac sans art, artichaut, car froid, gueule de bois, sans chocard, artichaut, sans petit tour, et puis sans la mon maghrébin, sans refrain, ma maghrébine, sans routine, dada d'habitude, hippo madame au sud, dada d'habitude. Ça fait des ordres dans mes hommes arts, mes habitudes. Ça fait des signes dans mes hommes arts, mes racines. Dada d'habitude. Dada d'habitude. Ça fait des ordres dans mes hommes arts, mes habitudes. Ça fait des signes dans mes hommes arts, mes racines. Paysage, mon âme à vague, sans rivage, je m'agrippe au langage, lâche rien, pas les tiens, mais la manelle, leur argent, et pour œil dans tout, sans peur pour la mer, mer pour rien, car du temps, temps sans air, atmosphère, pas cheval, cheval de course, course à pied, pied, piétiné à l'arrivée, t'es donné au rêve, t'es maghrébin, sans refrain, t'es maghrébine, sans routine, ma maghrébine, sans routine, ma maghrébine, sans routine, ma maghrébine, sans retourne. Tourne, da da da, da da d'habitude. Il pleut pas dans le sud. Da da d'habitude. Il pleure pas dans le sud. Ça fait des ordres dans mes hommes arts, mes habitudes. Ça fait des signes dans mes hommes arts. Nawal Ben Kraïm, Nassim Kouti, ils seront en concert le 30 mai, mercredi, aux Étoiles. Marhaba bekoum. Nassim Kouti, il y a quelqu'un depuis tout à l'heure, il m'a dit que tu avais un truc à raconter, une chanson à raconter. Alors, jingle. Jingle. Un jour, une chanson. Voilà. Donc, Allalou, Reda, Nawal, si je vous dis... Tchik Chubila. Eh oui, oula. تشيك شبيلا تيولي ولا ما قتلوني ما حيوني غير الكاس اللي عطاوني تشيك شبيلا تيولي ولا تشيك شبيلا تيولي ولا. Donc, on ne peut pas s'empêcher de danser avec cette chanson qui est oui. Tchik Chubila, qui est connue de tout le monde et de en tout cas dans le patrimoine maghrébin. Sauf que cette chanson elle a une histoire très particulière. Donc, on remonte loin dans le passé, on est au 13e siècle. Précisément le 23 novembre 1248. Après un siège de 16 mois, après l'anniversaire de Khaled Reda, après un siège de 16 mois, Séville tombe aux mains de Ferdinand III de Castille. La ville a été conquise par les musulmans en 712. C'est documenté et tout. Là, dit quand même, tu Donc la ville, avant les musulmans, bon, la ville a été conquise par les musulmans en 712 par Moussa ibn Nusayr, venu de Damas.
Après plus de 5 siècles de présence, les Nord-Africains quittent l'Andalousie et retraversent la Méditerranée dans l'autre sens. Donc là, on est loin, très loin dans la gaieté exprimée dans la chanson. C'est que, en fait, dans les paroles, on peut trouver des choses qui racontent des choses un peu plus dures. On est même dans une terrible souffrance. Donc, Tchikchbila, en traduction, c'est la contraction de Tariq Ishbilia, la route de Séville. La route de Séville, oui. Tiouliouila, y retourner. Donc, Maqtlouni Mahiaouni. Donc, Maqtlouni Mahiaouni, c'est il. Donc, il, c'est qui? C'est les chrétiens. Ne m'ont ni tué ni laissé vivant. C'est-à-dire, ça raconte l'histoire de ces, en fait, de ces musulmans, on va dire, d'Andalousie, ouais, qui traversaient la route de Séville et qui se faisaient persécuter, en fait, mm-hmm, par les chrétiens qui avaient reconquis l'Andalousie. C'est devenu des migrants, quoi. Voilà, c'est devenu, voilà. Mm. Comme quoi l'histoire se répète perpétuellement. Donc, le kess, ça fait allusion à ce verre de vin qu'ils m'ont donné. Donc, des chrétiens obligés les musulmans à boire du vin. Ferme d'un en plus. C'était la belle époque, Allélu. Voilà. Pour ça a changé. Quoique. Hein? Que, non, franchement, Warren, ouais, tu n'obliges personne à boire du vin. De quoi, je crois que les Castillans, ils sont arrivés jusqu'à Warren, ils sont restés Gade là-bas. Non, donc du coup, c'était. Donc, Ril Kesliataouni, c'est le verre de vin qu'on obligeait, que les chrétiens, certains chrétiens obligeaient les musulmans à boire pour prouver leur conversion au christianisme, parce que c'était, je pense, une condition à l'époque, si tu voulais rester, il fallait se convertir au christianisme, ou bien pour les humilier. Et donc, cette chanson populaire en Tunisie, en Algérie, au Maroc, là où les Andalous se sont installés après leur expulsion, elle a connu une nouvelle vie avec une version de l'ONB qu'on peut écouter. Mais l'original, c'est Hossein Slaoui. Oui, le texte, d'ailleurs, le poème est attribué à Mohamed Samir l'Andalousi. Oui. Mais celui qui a fait l'enregistrement. Oui, le premier enregistrement. Ah, il y a fait le droit d'auteur dessus, quand même. Là, je pense. Kemlet. Et du coup, voilà. Donc, merci pour le travail de mémoire et de recherche de M. Rémi Lancien. Rémi Lancien, il est au balcon en train de fumer toujours. Et donc, on peut écouter Tchikchbila. Ah non, tu veux la chanter? Là, on avait mis. On l'a. Allez, par Hossein Slaoui. Par l'ONB. Par l'ONB. Voilà, c'était. On en retour. Donc voilà, c'était l'ONB qui chantait Tchikchbila et raconté par Nassim Kouti.
Et puis toi, tu as quelque chose à raconter au sujet de... Non, parce que l'anecdote, Rémi l'Ancien, il a fait des travaux, un travail de recherche et tout. Et t'as vu comment je les ai regardés Écoute, moi je vais te raconter la vraie histoire de cette chanson. Cette chanson, elle était beaucoup chantée Bchar en fait. En fait, comment t'expliquer? En fait, attention Bchar. Kirk Titanic. En fait, ils ont réservé un canoë que pour les gens de Bchar. Ouais. Parce que Titanic avait des gens de Bchar. Mais ils se sont dit, comment on va savoir que les gens viennent de Bchar? Parmi, ils chantaient beaucoup cette chanson. Tkshibila, Aouliula, Al-Harabi, Metmouchi. Du coup, ils se sont dit, le code, ça sera ça. Wahdouk, enfin, le canoë, Tkshibila, Aouliula. Faut Tkshibila, Aouliula. Tkshibila, Aouliula. Suivez. Tkshibila, what? Raoul. Tkshibila, Aouliula. Vas-y. Il y avait Wahd. Un Suédois, on va dire, il écoutait. De quoi, il cherchait, je lui dis comment je vais avoir un canon, il entend Tkshibila, Aouliula, Tkshibila, Aouliula. Le mec, il arrive, on lui dit Tkshibila, il fait Aouliula. Le mec, il le regarde, blanc aux yeux bleus, il dit lui, il vient pas de Bchar. Il dit, je vais continuer de la chanson. Il lui a dit Al-Harami, le Suédois, il fait Aouliula. Donc voilà l'anecdote sur voilà sur le Titanic. Tu sentais le rythme quand même qui était cassé. Ah, voilà. La vanne elle déglingue. D'ailleurs, donc bien, voilà, Nawal Ben Karaïm en concert aux Étoiles mercredi 30. Allez-y, ça vaut le coup. Et comme ça, merci d'être passé. Et puis avant que vous veniez, moi j'ai appelé un monsieur qui a écrit un bouquin qui s'appelle Citoyenneté impossible. Il s'appelle Mohamed Metboul. Il est anthropologue. Mebtoul, pardon. Mebtoul. À chaque fois, je me. Ouais. Monsieur Mebtoul. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle Citoyenneté impossible. Et voilà, je posais la question. Pourquoi il a mis le point d'interrogation sur citoyenneté impossible? Pourquoi? Bah, écoutez l'éditeur a joué un rôle. Moi, c'était la citoyenneté impossible. L'éditeur a choisi finalement le titre. Mais dans le contenu du livre, dans le contenu du livre, je parle d'une citoyenneté introuvable. 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 Donc, point d'interrogation, parce que la citoyenneté, c'est un processus. Donc, dans le processus, il y a toujours des éléments qui peuvent péter, peut-être. Mais c'est un processus, donc c'est pas un état. C'est toujours dynamique. Mais à mon avis, moi, ce que j'ai développé dans mes différents travaux, sur la santé, le travail, les jeunes, etc., c'était la fragilité d'une citoyenneté qui est introuvable. Voilà. Donc, une petite définition de la citoyenneté. Ben pour moi, la citoyenneté, c'est la reconnaissance publique et politique de la personne, c'est-à-dire reconnaître l'autre avec un grand A, reconnaître l'autre dans toute sa personne, dans son identité, dans son histoire, c'est ça la citoyenneté pour moi. C'est reconnaissance. La notion de reconnaissance, elle est importante pour moi, elle est importante. D'accord. À un moment donné, vous dites les valeurs sont inversées. Maintenant, la valeur qui est présente en Algérie, c'est l'argent et l'opportunisme. Et au contraire, les convictions politiques, elles sont oubliées, etc. Et tout. La nature a horreur du vide. Quand le savoir, la valorisation du savoir, la culture ne sont pas reconnues en tant que telles, il faut bien que la société va substituer d'autres valeurs. Et aujourd'hui, malheureusement, l'argent structure fortement les relations sociales. L'argent, je parle de la violence de l'argent mon livre, la violence de l'argent. Shkara, l'habet, il y a des mots, il y a un nouveau vocabulaire, c'est une nouvelle sémantique qui est engagée dans le discours des gens. Il faut écouter les gens pour voir comment l'argent est une dimension centrale au cœur du fonctionnement de la société. L'argent, c'est substitué au savoir, à l'école, c'est substitué à l'intelligence cognitive, quelque chose de tout ce qui est connaissance devient marginal, voilà. Quand on voit par exemple le président Bouteflika aller de Zaouia en Zaouia, inaugurer une mosquée, construire une grande mosquée, ensuite il y a Ould Kaddour en ce moment qui fait les Zaouia comme l'ancien patron de la Sonatrach, est-ce que moi j'ai l'impression qu'on est en train de faire des croyants plutôt que des citoyens?
Oui, ça, c'est la formule de Harbi. Hein. C'est Harbi qui avait dit ça. Hein. Harbi, on a plus produit de croyants que de citoyens. Moi, je n'ai pas travaillé sur ça. Je m'avance que sur des travaux très de terrain. J'ai travaillé sur les jeunes, la notion de Hogara. J'ai travaillé sur la santé, le travail. Mais je n'ai pas travaillé sur la. C'est un sujet important. Tout ce qui est religieux, je ne l'ai pas abordé, effectivement. Tout ce qui, comment le religieux est capté par le politique, je ne l'ai pas abordé dans mon. Alors, dans mon est-ce qu'on est des citoyens ou est-ce qu'on est des croyants? Bah, aujourd'hui, quand on voit la société, on est plus des croyants. On est pas citoyens. Voilà. Citoyen, c'est être reconnu comme être autonome. C'est être l'autonomie dans la citoyenneté. Il y a de la liberté. Il y a la citoyenneté, c'est quand même un concept important. Hein. Le citoyen, c'est pas le sujet. Le sujet, on fait pour lui. On fait pour lui. On crée son bonheur. On va vous faire ça. On va vous donner ça. On va vous faire ça. On va promettre. Mais le citoyen, c'est celui qui s'engage. Il y a un engagement dans la citoyenneté important. Mm-hmm. Il y a l'engagement qui est important. Mais aujourd'hui, on est dans le statu quo. L'ennemi de la citoyenneté, c'est le statu quo. Ennemi ironique. Rester comme je suis, je suis bien comme je suis. Donc c'est, le statu quo, c'est vraiment une régression, une stagnation de la société. On veut que la société reste comme elle est. Et pourquoi on est dans cet état-là de stagnation, de statu quo? Comment? Pourquoi on est dans ce... Je le dis dans l'ouvrage, hein, je le dis que le populisme a fait des ravages. Le populisme unificateur, on a cru que les gens étaient les mêmes. On a construit une société standardisés, uniformes, tous les mêmes, égalité, tous des travailleurs. Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'ouvriers, il y a tous des travailleurs. Donc on a homogénéisé la société à tel point que cet égalitarisme factice, hein, il est factice, il est d'ordre idéologique, hein, il est d'ordre idéologique, donc a fait que les gens sont dans une logique de retrait, de défiance, etc. Hein. Ben, merci beaucoup, monsieur Meptoul. Donc, merci, monsieur Alelou. donc, merci. Je rappelle, Citoyenneté impossible, point d'interrogation, aux éditions Coucou. Est-ce qu'il se vend bien, le livre? Ben, il faut demander à Alski va vous dire. D'accord. Non, Oran, ça va. Ben, Oran, il se vend. Alger, je sais pas. Mais je suis pas Alger, moi, je suis Oran. Oui, je sais que vous êtes à Oran, voilà. Vous êtes anthropologue et prof de sociologie à Oran. Allez-nous, c'est chaîne 3, vous étiez oui, à chaîne 3 dans les années 70. Oui, dans les années 70, vous exagérez. 80. Les années 30. Merci non, beaucoup. C'est une chose, le nom. Merci c'est beaucoup. Oui, c'était ça, oui, absolument. Allez. Merci beaucoup. Merci, Laïsselm. Merci, prends la chaîne. Voilà, c'était Mohamed Meptoul, anthropologue. Il habite au Rang, qui nous a parlé de son livre qui s'appelle Citoyenneté impossible, point d'interrogation. T'es citoyen, Reda? Tu te sens citoyen? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Hanan, bienvenue. Bonjour. On dit au revoir à Nawel et à Nassim. Donc voilà, comme vous voyez que voilà, Nawel, elle a perdu sa couleur. Salut, bon concert le 30. Au revoir. Bye, ciao, ciao. Bonne soirée. À la fin. On est à la maison, donc qu'il y ait qu'il y ait etc. C'est vrai, d'akhir ou l'kharj. Samir Adjoum, masa al khair. Heureux. Non, pas le masa al khair ou la... Je vais te virer là, si je commence à parler, on arrête. Monsieur le Khair. Il a dit Monsieur le Khair. J'ai l'impression d'avoir 5 ans et on me dit dis batata. Est-ce que tu as le kha? Le ha, le ha. Ni le ha, ni le ha. Non, non, mais j'avais été convoqué par la directrice de la chaîne 3 quand j'avais cette émission parce que j'arrivais pas à dire Merzak Kalwash. Donc j'ai été convoqué. Merzak. Merzak. Le kha, le kha, ma index. الضرب بالك سنارفي سنارفي راك شايف سك نارفي تخرج له دونك فوالا توا tu as oui tu t'énerves tu dis quoi ah خلينا نهضروا ولا خليكم تهضروا كيف كيف ولا ولا on part on vous laisse ouais et donc Hanan tu as fait un papier sur l'invisibilité. Je commence, oui. J'ai, sur l'invisibilité sur les cinéastes. Sur les cinéastes. Sur les cinéastes, ouais. Exactement. Et tu écris toujours sur ton portable. Tu écris pas comme nous, comme. J'ai pas. En fait. Oui, j'ai... Windows 95. Maman, non, Windows 95. En fait, j'ai pas d'imprimante chez moi. Zefter Kane, imprimante, j'ai pas d'imprimante. J'ai pas d'imprimante. C'est vrai. J'ai pas d'imprimante. Samuel et toi, tu vas parler de quoi? De Sonia.
De Sonia. Il a ramené, comme vous voyez, ce petit carnet. Voilà. Il a pas alors, ce carnet, en arabe, on l'appelle El Kounet. On a le droit de vanner aussi Bien sûr, oui, bien sûr, oui. Donc pendant toute l'émission je serai comme ça. Donc c'est à dire que nous avons un problème structurel. C'est, Attends, c'est mon nouveau kakemono vivant. Voilà, enfin. Hein. Tu rigoles là, hein. Je sens que cette émission va partir en sucette. Alors on fait la revue de presse. Tu veux qu'on fasse la revue de presse? Oui, voilà. Bien sûr, il s'est passé énormément de choses cette semaine. Non, pas grand chose. Si. Donc l'Algérie vient de démentir, un gros truc. C'est que qu'est-ce qui s'est passé? Les Hawzou Bzef, les blagues sur subsahariens. Apparemment, il y a eu plein de gens, des migrants qui ont été expulsés d'Algérie, partout, et ça a été repris par toute la presse algérienne, Lointain, Tout le Monde, Liberté, etc. Et tout, ça fait la une de plein de journaux, et l'Algérie vient de démentir ces allégations. Toujours, l'Algérie, elle dément les allégations. Parce que nous, on ne connaît pas le mensonge. Voilà. Tu sais, c'est très subtil comme truc, mais nous, on ne connaît pas le... On sait pas, nous, on dément tout. Et puis, il y a TSA, Reuters qui a dit quelque chose. Reuters? Oui. C'est écrit? Qui a relayé, c'est relayé par TSA, la deuxième info. Ouais, donc voilà, l'agence Reuters relayée par TSA révèle que l'Algérie va expulser 105 Maliens soupçonnés de liens avec Ansar Dine, le groupe terroriste actif dans le Sahel, surtout au nord du Mali, information non confirmée par les autorités. Yeah. Bon, après, moi, j'aime pas quand même qu'on associe l'Algérie, mec des révolutionnaires, avec le fait d'expulser des gens qui sont présumés terroristes. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, on les expulse pas parce qu'ils sont maliens, mais parce que peut-être ils ont fait des bêtises, tu vois. Il y a une théorie comme quoi il va y avoir une invasion des migrants vers l'Algérie. Oui. Je crois pas que c'est une théorie, je crois que c'est vrai. Samir, Hanan, je sais pas du tout. Non. Tu sais, une invasion. Oui. Non, pas forcément. On peut pas appeler ça une invasion. Ouais, c'est pas une invasion. Ouais. On n'est pas Éric Zemmour, hein. Mais je veux dire tellement la pauvreté en Afrique, etc. Et tout, et comme les frontières algériennes, elles sont un peu perforées. Là, je tu pas sais quoi, moi ce que j'imagine. Ouais. J'imagine le migrant africain quand l'été, enfin en Algérie, il va rentrer chez lui. Il va se la péter. Il va dire à la belle comme on a l'Algérie. On a tout. Après, en Algérie, tu tombes malade, il y a l'ambulance, elle vient. Tu sais, en Algérie, il y a des routes. Tu sais, en Algérie, mes enfants, ils vont à l'école, il y a tout. Vraiment, tu imagines, juste imagine le migrant qui tu sais, il va rentrer avec une 205, tu sais. Et un plasma. Avec ses enfants, il va ramener un frigo unième de l'Algérie vers l'Afrique. Enfin, l'Afrique subsaharienne. Moi, ça me fait pas rire, ça. Ça te fait rire, toi? Mais bien sûr que ça me fait rire. Voilà. Mais t'imagines, ça veut dire que peut-être qu'on prendra enfin l'Algérien, prendra du recul par rapport à la chance qu'il a d'être en Algérie. Hein? Ah! Ben oui, c'est dans ce sens-là. Je dis, les philosophes, c'est... Mais bien sûr, enfin, comprends mes vannes, là. Voilà. Mais je vais me suicider, moi. Et pour finir, voilà, pour finir à propos des migrants, etc. et tout, il y a une pétition qui est en ligne. Sur le Huffington Post Algérie, donc nous sommes tous des migrants, voilà, signé là, etc. et tout. Et puis il y a un journaliste de Maghreb émergent qui a... Ça marche pas, le son? Qu'est-ce qui y passe? Excusez-nous, en fait, on a notre producteur qui est d'extrême droite et du coup on n'arrive pas trop à contrôler ce qu'il dit. Il veut pas qu'on signe la pétition, mais voilà. C'est-à-dire, on est tous des migrants. Enfin, si on ne l'est pas, on le sera un jour. Enfin, je veux dire, ça c'est clair. Donc c'est un appel à la solidarité des militants associatifs, la Ligue des droits de l'homme. Donc il y a une pétition comme quoi nous sommes tous des migrants de quelqu'un, quoi. Hein? Mmh. On est des migrants, non? Hein? On est des migrants, nous. Et puis, il y a quelqu'un qui a... Sur ton truc, il y a quelqu'un qui... Melzour Touati, qui lui arrive... qui risque... Je ne sais pas si on a l'information ce soir. Il a encore la peine de mort sur la bonne publication sur Facebook. Il est accusé d'avoir publié une vidéo qui encourage des troubles civils. Son procès s'est ouvert aujourd'hui, on ne sait pas. Moi, je viens de l'apprendre en le lisant, là. On n'a pas l'information, monsieur le producteur. Il a pas... Il a suivi un peu. Ou pas. En tout cas, l'Algérie dément. Voilà, je tiens à souligner. Exactement, elle dément. Condamnée à 10 ans de prison ferme, 50 000 euros d'amende. Combien? 50 000 euros d'amende et 10 ans de prison ferme. 50 000 dinars d'euros. Oui,
dinars. 50 000 dinars d'amende. Oui, et 10 ans de prison ferme. 10 ans de prison ferme, il a reçu. Oh là là. Bravo, merci Hanan. Après Facebook. Oh là. Donc voilà, ce militant blogueur, il s'appelle Merzouk Touati. Apparemment, il a fait une vidéo qui a, que les autorités n'ont pas aimée. Et donc, il a été condamné à 10 ans de prison. Qu'il y avait dans cette vidéo ? Je ne sais pas, moi, je n'ai pas vu la vidéo. Je crois que la vidéo, elle a été enlevée par Facebook ou, en tous les cas, soi-disant, en intelligence avec une identité internationale. À mon avis, ça doit être... C'est flou, tout ça. Hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est un peu... Ouais. Donc voilà, bon, on passe à autre chose. Bah oui. Bon, bah oui, j'adore. Allah l'a dit, on passe à autre chose. Une bonne nouvelle, 34 morts. T'as vu la dernière nouvelle quand même ? J'ai dit bonne nouvelle. Non, t'as dit on passe à autre chose. On mais passe à autre chose. Sous le ton de. Parce que là ça m'a flingué. Qu'ils reçoivent 10 ans de prison, ce jeune. Mais la dernière nouvelle jeune. Aussi, elle va te flinguer, Lily. Oui, oui. Oui, voilà, mais bon. Ramadan. Mettre à fond la caisse, ou que le bad combat, de le camion, etc. Déjà, il y a eu 34 morts en 4 jours. Zid, on est pas au niveau, à peu près 100 morts par semaine, c'est bien. Voilà. C'est énervant, c'est trop. Le seul point positif de cette information, c'est que dans le nombre d'accidents, c'est l'un des rares domaines où l'Algérie est sur le podium. Number one, ouais. Donc, number one des accidents de voiture. Ah ouais. Je sais pas, en plus, chaque année, c'est pareil. Hein. Oui, chaque année. Chaque année, c'est pareil. Ils sont en retard pour aller manger, etc. Ou la tarawih, je sais pas. Et il y a des morts, c'est une hécatombe. À côté de beaucoup fouet le déco, etc. Bon, voilà. Et puis, tu dois me poser une question en plus, après. Moi ? Oui, tu dois me poser une question. Moi, je gagne tout à Ramadan. Ramadan. C'est une répétition là, c'est on n'est pas en live, c'est la répétition là. Et après, tu dois me poser une question. Radio libre. C'est terrible. C'est une radio libre. Ah ouais, c'est très libre. Good morning, Algérie. Allalou, tu savais que les hirondelles ont disparu cette année? Est-ce que tu sens la spontanéité dans ma phrase? Oui, je sens. Voilà. Je sais pas. Bah, les hirondelles qui migrent habituellement en Algérie à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mars ont préféré les cieux plus cléments. Pourquoi? Ah, parce que et c'est des migrants, non? Non, les hirondelles n'ont pas lu le rapport de l'ONU, en plus rien à voir sur liberté en Algérie, parce que la météo était très mauvaise, explique scientifiquement Bouzguenpost. Apparemment, à cause de la météo, on n'aura pas d'hirondelles cette année. Peut-être qu'ils vont venir plus tard. En plus, il y a un petit peu de chaleur, il y a un petit peu de rondelles. Il y a un rondelle, en plus, ils jouent chez Pin. Ça existe vraiment Bouzguenpost? Oui, Bouzguenpost, c'est notre journal favori. Ah, c'est un sacré. C'est notre journal favori. On parle toujours de. En attendant les hirondelles. Oh là là. Blague de critique cinéma. J'ai été inspiré. Alors, il y a une information qui est passée le 16 mai. À chaque fois, à chaque émission, je dis, je vais la dire, on n'a pas eu le temps à chaque fois. Eh ben, tu sais, il s'appelle Nasrou. Toui, je crois qu'il s'appelle Toui, comme ça, à peu près. Il est membre d'une association pour la préservation du patrimoine musical d'Oran. Il veut célébrer les 48 ans du Rai à Oran. 48 ans, Rai, un de 48 ans déjà. Comment déjà il a eu ce chiffre de... Rai, ça veut dire 1970, qu'Allah. Voilà, donc je ne sais pas, donc du 2 au 11 août... Donc il y a des expos, tournois sportifs, animations culturelles, démonstrations folkloriques. Pour les 48 ans du Rai. Pour les 48 ans du Rai. Il y a une trentaine de... Donc le journaliste lui pose des questions et lui répond. Il y a une trentaine de troupes étrangères qui ont confirmé leur participation. 30 troupes étrangères qui ont confirmé leur participation. Et puis des troupes de 48 wilayas qui vont venir. Et il y a un gros spectacle qui va se tenir au Théâtre de Verdure. Deuxième question du journaliste. Comment vous avez sélectionné ces troupes étrangères? Réponse, pour le Maroc et la Tunisie, il existe un fond commun, mais les autres musiques, ils ont été choisis en fonction des rythmes qui peuvent se marier avec le rail. Genre le flamenco, le latino. Et puis il rajoute, le folklore basque et corse. Le folklore basque et corse, ils se marient avec le rail. Je crois. Non, c'est vrai. Ça, ah oui. C'est oui. Pas. Ah bah oui. Parce que on est. Non, mais c'est vrai, je te jure. Je sais pas. On dit les gars, monsieur. Nous sommes tous. Oui, Ada. Ma touch, Allah, ma touch.
Non, c'est vrai. Alors, Aznar, alors, nous avons sollicité des vedettes, des grosses stars, tu vois. Et pour une participation bénévole, ça dirige Jomo Chapral, ou la je sais pas qui, ou la Charles Romanté, ou la Malabelle Eschkoun. Et ils doivent jouer gracieusement, bénévolement, parce qu'ils doivent bien ça à Oran. Ah ouais, non, mais je trouve que c'est une bonne chose. Ouais, bien sûr, attends. Bien sûr. Alors, question, la dernière question, c'est le financement. Comment vous allez financer cette, un tel grandiose événement, tu sais, le nombre de gens, etc. et tout. Donc, lui, il dit, nous avons demandé au Wally d'Oran de parrainer l'événement. Nous allons solliciter plusieurs ministères, le tourisme, le transport, la jeunesse et les sports, etc. et tout. Et il finit. Et il dit le spectacle. C'est là que vous avez retenu à Nassaratoui. Les spectacles vont être payants. Et c'est pour financer notre projet, évidemment. On a pensé à des initiatives telles que la possibilité d'organiser un salon de l'artisanat ou des rencontres autour des plats culinaires populaires comme Galanteta, le Barrir ou le Msemmen. Ou le Msemmen. Pour amener de l'argent pour. Tu peux barrer le Galanteta pour financer le festival. Oui, j'ai Cheb Khalid, ou Rainara, ou Cheb Mang. Voilà, et des troupes étrangères. Oui, aussi. Donc, Yahouya, Ouais, mais des choses que tu peux maîtriser tranquillement. Ouais, 30 000 personnes, avec d'ailleurs. Ou là, c'est que nous, je te coupe, etc. et tout. Pensez petit, pensez comme quoi. Et puis quand on écoute ce qu'il dit, enfin, il a pas encore eu les financements. Il a pas, non. Il a rien encore. Non, c'est une interview qui donc fait loi tant que c'est bon, le 16 mai. En tout cas, j'espère vraiment du fond du cœur, parce que je trouve que c'est une très bonne initiative. J'espère du fond du cœur que Machi, une semaine avant, on va recevoir sur la page Facebook, pour des raisons qui sont indépendantes à notre envie, nous avons le malheur de vous annoncer que le festival a été annulé. Ça te rappelle voilà. Un mauvais souvenir, Reda. Oh, mais même récemment, là, tu sais qu'il y avait 1001 vannes qui devaient être organisées à Paris, Saharaz Ramadania d'humour, au théâtre du gymnase, ça devait être tous les week-ends à partir de 23h, ça devait être fait par Tariq Ouhadj de Algérie, et en fait, la dernière minute, la fin avril, ils ont annoncé, pour des raisons indépendantes, je ne sais pas quoi, que c'était annulé. Et ça arrive très souvent avec les émissions, enfin avec les événements algériens, malheureusement. Hanan. Oui. Hanan, nouvelle chroniqueuse, Yahé. D'accord. Okay. Elle était invitée, ouais. Maintenant elle est chroniqueuse. J'aime bien. La proposition en direct. Merci. Et comment elle va être payée? Hein? Elle va être payée? En ticket restaurant, bien évidemment. Ou la Melbourne. Le Melbourne, une semaine. Moi, ça me va. Hein. Tu veux parler de quoi? Je veux parler des cinéastes. Je suis venue il y a quelques jours pour en parler. Haoudjit. Je réitère encore la chose. Et j'ai écrit un petit texte. Qui met colo à qui de droit. Je sais pas à qui il s'adresse, mais voilà. Je peux le lire. Une bouteille à la mer. Une bouteille à la mer, exactement. J'aime bien cette phrase. Vous ne les connaissez peut-être pas, mais ils existent. Ils sont jeunes, ils réalisent des films. Ils sont cinéastes en Algérie. Ils s'appellent Adila Bendimerad, Hassan Farhani, Sofia Jamal, Jamel Kirkar ou encore Rami Aloui. À moins d'être des cinéphiles avertis, leurs noms ne vous diront rien ou vous évoqueront vaguement quelque chose. Et pour cause, ils font partie d'une génération entière de cinéastes qui tournent des films en Algérie, sur l'Algérie. Et pourtant, ils ne sont pas connus chez eux, puisque leurs œuvres n'y sont presque jamais diffusées. Vous me direz qu'il n'y a rien d'étonnant, puisque chez nous, la plupart des artistes ont l'impression de prêcher dans le désert. Mais j'aimerais bien vous y voir, vous, si votre métier consistait à être vu et que vous vous retrouviez à être totalement invisible. Quelle ironie. En discutant avec la plupart d'entre eux, je me suis rendu compte qu'en faisant simplement mon travail de journaliste, je touchais à un point sensible. Il y a quelques jours, l'un d'eux me confiait. On arrive à parler au monde, mais on n'arrive pas à parler au nôtre. Cette phrase n'a pas été dite dans un esprit victimaire, non. La réalité est bien là. Ces cinéastes sont acclamés à l'étranger et quasi inconnus chez eux. Cette année, l'un d'eux, Karim Moussaoui, a été nominé dans une prestigieuse catégorie à Cannes. Une autre, Sofia Jama, a remporté un prix à la Mostra de Venise. Et il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Découragés, écœurés, certains sont passés à autre chose. Ils préfèrent avancer en allant là où on voudra bien les regarder et les écouter. D'autres font des merveilles avec très peu de moyens, convaincus que c'est la clé.
D'autres encore, comme Yanis Koussim, avaient de l'espoir quand je les ai rencontrés. Puis de l'amertume s'est installée. Ça fait 4 ans qu'il tente de finaliser son film. La dernière tranche de financement reste bloquée. Par qui, pourquoi, mystère. Même lui ne le sait pas vraiment. Ça devient presque une habitude de se battre sans même savoir contre qui et quoi. Et dans l'indifférence générale. Malgré tout, l'espoir. Je veux conclure sur une note positive parce que j'ai surtout rencontré des personnes passionnées, talentueuses, animées d'une force incroyable. Une force qui peut être plus puissante que l'invisibilité. J'aurais tant aimé ne pas avoir à finir sur cette confidence faite par l'un d'eux. Ça va prendre du temps, on sera probablement vieux, décrépit et triste et on aura perdu toute notre énergie, mais ça viendra. De l'espoir dans le désespoir. Au fond, je reste convaincue qu'au moins une personne, un responsable ou un décisionnaire, saura entendre cet appel pour que les choses deviennent plus simples pour Koussim et pour tous les autres. Bon, c'est ma Hanan désespoir. Trop belle comme le moral. Qui dit là, il faut que le moral soit bien comme il faut. Attends. Reda fait une blague, tu vois. Ouais, tu sais, ouais. Non, mais tu sais, mais franchement, franchement, si t'avais invité quelqu'un que je ne connaissais pas, pour qui je n'avais aucune affection, je l'aurais déglingué. Mais là, heureusement que je connais Hanan et je l'aime beaucoup. Et tu as de l'affection pour elle. Donc voilà, pas de blague. Voilà. Je vends des lames de rasoir tous les samedis. Donc par rapport à Yanis Koussim, oui. Moi j'ai envoyé donc un mail à Ahmed Boudjaoui, qui est président du Vdatic, tu vois. Et il m'a fait cette réponse. Nous avons contacté cet après-midi. On l'a contacté cet après-midi. Il m'a dit, je ne comprends pas Yanis. J'ai donné mon accord pour qu'il reçoive la troisième tranche, le financement. J'ai fait une exception pour lui. Soit il cherche à faire le buzz alors que son film n'est pas bloqué. Soit le bras de fer, il veut faire un bras de fer avec le ministère. Aucun moment, il ne dit que je lui avais débloqué la situation fin avril. Donc, Yanis, je ne sais pas. Je peux faire une petite remarque. Oui, vas-y, fais la remarque. La seule chose que je ne comprends pas, je comprends la réponse de Jerry, mais la seule chose que je ne comprends pas, c'est quel buzz quand il y a une indifférence pareille. Je veux dire, Yanis, il n'y a aucun buzz derrière parce que de toute façon, les gens sont indifférents à leur sort. Donc, et il le sait très très bien, Yanis, en faisant ça, que pas grand monde va relayer. Donc, s'il y a des histoires en interne qui se passent, certainement, j'en doute pas. Et par contre, parler de buzz, ça me paraît un peu gros. En tous les cas, voilà, on a donné la parole aux uns et aux autres. Hein, exactement. Tant mieux. Samir, tu voulais... parce que c'est vrai, on n'en a pas parlé. On a eu tellement de douleur que cette femme qui est comme grande comédienne qui a disparu comme ça... Et tu voulais en parler. Oui, enfin, de manière très, 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 très personnelle, surtout. Ouais. J'ai pas connu, enfin, je l'ai vu qu'une seule fois et c'était pour. Enfin, il y a quelques jours, oui, on a appris sa mort, je crois, c'était le 13 mai dernier. Et elle avait donc 63 ans. Et donc, elle était jeune. Et ça fait toujours un coup, surtout que pratiquement un mois avant, on apprenait la mort de Farouk Belloufa, donc ça commence à être ça va être lourd, quoi, c'est lourd. Et il y a quelques jours de cela, d'ailleurs, son gendre, Khaled Benaïssa, immense comédien, avait écrit quelque chose sur Facebook, texte, ouais. Très très beau texte, c'est tellement bien écrit que je comprends pas pourquoi j'ouvre une digression et il n'écrit pas aussi des histoires et qu'il les filme. Donc Khaled, s'il te plaît, retourne derrière une caméra, ça peut être intéressant aussi, je ferme la parenthèse. Non, cette femme, je l'ai connue, enfin... C'était au 2001, et j'étais à Alger, j'étais à l'hôtel Saint-Georges, j'avais accompagné quelqu'un que tu connais très bien, je pense, Hafaf Belouchette, notre oui. ami oui. Hafaf Belouchette, elle avait un rendez-vous et donc elle m'avait laissé comme ça dans le salon, donc de cette espèce de salon de thé là, de l'hôtel Saint-Georges, et moi en 2001, enfin, je connaissais pas grand monde, je t'avouerais que même Sonia, je ne la connaissais pas du tout, que ça soit même de réputation, hein, je connaissais pas beaucoup de personnes comme ça. Et puis j'étais comme ça seul, assis, il faisait très beau, dehors il y avait le jardin, le fameux jardin historique de l'hôtel Saint-Georges, je sais plus s'il est aussi merveilleux qu'il y a 20 ans de cela. Et il y avait personne dans cette pièce. Quand je dis personne, c'est qu'il y avait vraiment personne. Mais le serveur n'était même pas là, il y avait personne. Et moi j'étais là, j'étais assis, j'attendais qu'Afaf termine son rendez-vous, et puis je vois arriver comme ça une femme. Tu sais, elle était en tailleur, brune, coupe au carré, majestueuse. Elle avait un foulard et elle tenait un sac. Et donc, c'était il y a 18 ans de cela. Moi, j'étais assis et je l'ai vue arriver. C'est comme si, tu vois, dans le salon, imagine un salon où il n'y a pas de meubles et elle arrive, elle remplit. Elle avait une prestance incroyable. Je ne savais pas qui c'était.
je la vois arriver comme ça. Et donc, je la regardais. Et en même temps, je faisais en sorte qu'elle ne me voie pas la regarder parce que je trouvais ça honteux. Elle arrive et je pense qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un parce qu'elle cherche, elle ne trouve personne. Et elle a toujours ce sac, toujours droite comme ça. Ça m'avait marqué, tu sais, énormément, chaussures à talons. Et puis, elle fait le tour comme ça du salon. Elle revient s'asseoir au niveau du comptoir. Elle cherche, il y a un serveur, il n'y a personne. Elle s'assoit, elle attend. Je la regarde. Puis elle enlève sa veste, elle enlève son foulard. Elle pose tout ça avec son sac sur le comptoir. Et elle fonce directement vers le jardin. Elle ouvre la porte, elle va dans le jardin. Moi, qu'est-ce que je fais? Je me lève doucement et je m'approche de l'entrée pour voir vraiment c'est qui cette femme. Parce que je la trouve très, très belle. Et en même temps, elle dégage quelque chose. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais il y avait quelque chose. Et je la vois comme ça, se balader dans le jardin. Et là, je me suis dit, c'est impressionnant. Elle dompte le temps. Il n'y a plus de temps. Le temps est suspendu. Et elle est là, comme ça, et elle regarde, elle admire les fleurs. Elle est ailleurs. Puis elle revient. Et il y a quelqu'un qui est arrivé à ce moment-là. Et effectivement, elle avait rendez-vous avec cette personne-là. Et c'est Sonia. Je découvrais Sonia pour la première fois. Et c'est pour ça que quand j'avais vu le dessin hommage de le Hic, où l'on voit uniquement... Ça m'a fait rappeler cette histoire. Et j'avais cette majestuosité devant moi. Et plus tard, j'ai su que c'était une comédienne, une grande comédienne. Et voilà, ça m'a rappelé ce moment-là. Et je m'étais dit que si un jour je faisais un film, que ça soit un polar, un film de chevalier ou je ne sais quoi, il y aura un moment, je mettrai une séquence dans laquelle il y a quelqu'un qui attend une personne et puis surgit cette femme, tu vois. Comme disait dans François Truffaut, il y a un moment, il y avait dans le film Baiser volé, il y a Madame Tabar qui est jouée par le rôle de Delphine Seyrig et Antoine Douanel dit de Madame Tabar, Madame Tabar n'est pas une femme, c'est une apparition. J'avais l'impression d'avoir une apparition devant moi. Donc elle repose en paix et j'ai une pensée toute particulière pour Samia Méziane qui est une grande comédienne et qui est sa fille. Voilà. Voilà, c'est hommage à Sonia Mekiu. On va finir l'émission. Tu me demandes toujours d'être marrant après. Non, mais c'est vrai. En tous les cas, il a bien raconté, c'est pas mal. Non. Aïna hiya la caméra, elle a dit à takallamou fiha. On était bien avec elle. C'est bien, c'est vrai. Donc, on va finir l'émission. Il y a un gaspillage monstrueux. Moi, j'ai vu les journaux de l'année dernière par rapport au pain, par rapport... Et il y a des millions de tonnes de pain gaspillées. Donc, Marida, il dit, qu'est-ce qu'on fait cette semaine, etc. Je dis, écoute, il y a le gaspillage de Talchobz et d'autres aussi, d'autres choses aussi. Donc, il est calchaté à Akhreda, le mot à Tanarida. Shukran, Zamili, Alalou. Alors, le ramadan rime avec joie, avec partage et surtout avec, comme tu l'as dit, gaspillage. Tous les soirs, des millions de baguettes sont jetées dans la rue, seules, sans consommateur et durcies par le temps. J'ai marché hier soir dans les rues d'Alger d'ailleurs, j'ai croisé une baguette qui marchait. Le regard dans le vide, qui ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle n'arrivait pas à accepter son sort. Elle était complètement délaissée. Personne n'en voulait. Même les chats et les chiens errants n'osaient pas s'approcher d'elle. Dire qu'un temps, l'Algérien, quand il trouvait une baguette dans la rue, il lui roulait une pelle, tu vois, il l'embrassait, puis il la mettait à l'abri. Mais maintenant, il la jette. Et il faut dire que la baguette et l'Algérien, c'est une histoire d'amour qui dure depuis tellement longtemps et c'est tellement fort, tellement qu'après l'indépendance, tous les Français sont partis, sauf la baguette. Elle est restée en Algérie. L'Algérien y tenait. Elle ne lui a jamais fait de mal. Elle était toujours là pour lui. Elle l'accompagnait à tous ses repas. Elle l'accompagnait avec les œufs, avec les légumes, avec la viande, les grands jours, le riz, les pâtes et même pour certains la pizza. La baguette a été tout le temps là pour l'Algérien, peu importe la saison, peu importe la météo, peu importe le temps, peu importe la conjoncture économique, elle était là pour lui. On dirait que ce temps est révolu, la baguette n'a plus ce doux regard posé sur elle, c'est normal, elle ne coûte pas plus que 10 dinars, elle est subventionnée. En fait, l'Algérien ne connaît pas son prix réel. Et ainsi, avec le temps, cette relation se dégrade et ça fait qu'on ne considère plus la baguette à sa juste valeur. Bon, je sais ce que vont me dire les gens. C'est que la baguette aussi, de son côté, elle doit faire des efforts. Tu vois, parce qu'apparemment, non, elle est de mauvaise qualité, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'additifs. Mais bon, entre nous, à seulement 10 dinars la baguette, c'est normal. Si on veut qu'elle retrouve de la douceur et son côté moelleux,
Il faut payer. C'est un cercle vicieux. Chacun doit faire un effort de son côté. Tu sais, c'est l'essence même de notre société aujourd'hui. C'est que quand tu vas dans un supermarché, tu as deux produits, c'est les mêmes. Tu as un dégueulasse et l'autre pas mal. Et le pas mal est plus cher. Pourquoi ? Tu sais, ils peuvent nous proposer le pas mal directement. Tu sais, les fruits et légumes, ils sont fourrés de pesticides. Si tu veux manger un truc propre, un truc bien, un truc bio, eh ben tu payes. Tu vois, la route nationale, elle est dangereuse, elle est de mauvaise qualité, avec des feux rouges, tu risques ta vie, ton moral, des villages bizarres, les signalisations cheloues. Tu sais, mais elle est gratuite. Si tu veux éviter tout ça, c'est l'autoroute. Et l'autoroute, tu payes. C'est normal, en fait, qu'on ait un gouvernement qui laisse à désirer. Le vote, c'est gratuit. On devrait payer, alors. Bah oui, par contre, en télé-réalité, on paye pour voter. Ça, c'est pas normal. Finalement, on paye tellement pour n'importe quoi aujourd'hui que nous avons tous l'impression que pour avoir un produit de bonne qualité, il faut sortir le porte-monnaie, il faut payer. En fait, et pourtant, on paye des impôts et la qualité laisse à désirer. Aujourd'hui, un produit gratuit est tout de suite considéré comme un produit de mauvaise qualité. Et bien là, je ne suis pas d'accord. Parce que regarde, 213 infos. Regarde, Bill. Regarde. Enfin, je veux dire, c'est pas que des produits du terroir. Hein ? Allalou, un grand cru du siècle dernier. Hein ? On a Nassim qui vient de partir à millésime de l'Oranie. Hein ? On a eu un Hanan, un Beaujolais de la région d'Alger, qui passe très bien avec la bavette, d'ailleurs. Hein ? On en avait Nawel, une petite douceur des montagnes de l'Atlas. Hein ? On a Samir, un va de pays bien corsé pour les clodos. Hein ? Que des gens d'origine contrôlée. Et pourtant, c'est gratuit. Voilà, oui. Un produit de qualité n'est pas forcément un bon produit ou un produit on paye cher. Moi, j'ai envie de vous dire que j'ai peur qu'un jour on finisse par calculer même la qualité des êtres humains en euros et ça, on risque de le payer très cher. C'est vrai. Attends, Kaïma, je suis à la baguette. Merci beaucoup. Très bien, très beau texte. Et moi, il y a un truc, moi, je me souviens toute ma vie, quand le khobz est tahf al-qara, on le prend. C'est ce que j'ai dit dans la chronique. Oui, je sais. Ah. Mais je l'ai dit en arabe. Moi, j'ai dit lui relu une page. Mais toi, tu le dis avec poésie, avec philosophie, etc. Moi, je le dis. Hey, là. Ouais. Et, mais c'est vrai. Avec Al-Shibous. Non, là. Parce que je suis Shababous, l'Algérien. Et donc, voilà. Je sais pas. Zidou, chelou les baguettes ou remont. Sachez qu'il y a, pour donner un chiffre, peut-être ça frappera un petit peu, il y a 4 millions de baguettes qui sont jetées à la poubelle tous les jours. Tous les jours, ouais. Et encore plus pendant le mois de Ramadan. Et apparemment, pendant le mois de Ramadan, ils ont calculé en dinars, c'est 5 milliards de dinars de bouffe jetée que durant le mois de Ramadan. Ils ont calculé l'équivalent de 12 millions d'euros. Ça veut dire 500 milliards de centimes. C'est énorme. C'est énorme. Assalamu alaykoum, yatakoum saha, saha ftorkoum. Et on va finir, Samir Arjoun, tu as interviewé tout à l'heure Nadir Mouknesh. Nadir Mouknesh. Et ça va passer quand ? Ça va passer demain soir ou mardi soir ? Mardi prochain. Mardi prochain, mardi soir. Qu'est-ce qu'il a raconté ? Il y a des scoops ? Il a parlé beaucoup de Lola, de son dernier film, de Fanny Ardant, de sa maman. Il y a une petite anecdote sur sa maman aussi. Non, c'était mieux aurait été insupportable. Voilà. Très bien. Samir, Reda, Hanan, merci beaucoup. Rémi l'ancien. Ah oui, c'est le gars, Hafid est revenu. Mais normalement, on devrait suivre la caméra. Hafid, qui revient d'Algérie, il a fait presque tous les films. On va dire qu'il n'a comment ça s'est passé. Lamine Bouaziz, merci beaucoup. La production, il y avait Méry l'ancien. T'es comme Saha, merci beaucoup. Et on finit par le teaser que sur avec Samir Arjoun. Et oh, on fait pas le teaser, si. Ah, on l'est pas. Oh, parce que. Saha, comme j'ai marre. Saha, comme vous allez aller. Ou alors, moi, les baguettes. T'as à fond la caisse. Hein. Ouais, moi, taïcho. Non, dis-le chaud. Taïcho ou dis-le les accidents. Psychologie inversée. Ah, voilà, ouais. Merci beaucoup. في الهواء
urine et lacée. La femme s'aventure vers de nouvelles contrées. Le rideau tombe à l'an et difficilement la sombre histoire n'est pas une fiction. Souviens-toi l'Algérie, les femmes qui posaient des bombes dans les cafés, lieux virils. Il paraît un... العزيزة وانسانا ولا وفلسة أوين السين وين العيش السفسالي في الساكين لك حلسات في البلاد وين ماشي نفيق ويعباد. Fumeur de cigarettes, se riant de sa brouette, lui craque une allumette.